C'est dans le cadre de la lutte contre le diabète, qui constitue une véritable pandémie à l'origine de plusieurs décès par an, que le village diabète a été mis en place. La perspective de ce village est de sensibiliser la population aux dangers de cette pathologie et de promouvoir le rôle de la famille dans la prévention pour une meilleure prise en charge, comme le souligne ici la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. C'est aussi une opportunité pour nous de renforcer notre sensibilisation et notre prise de conscience autour de cette maladie. Ce village sera l'image des actions qui se poursuivront dans nos formations sanitaires afin d'éviter le diagnostic tardif qui entraîne souvent des complications. À travers cette initiative, le président de l'association Diabaction a pour sa part invité la population à se faire dépister. Chez nous, au Congo, le diabète est devenu une préoccupation principale dans les familles qui vivent ou qui découvrent au quotidien ce fléau. L'association Diabaction vous convie à la commémoration de cette journée dans ce modeste et accueillant village diabète. Les campagnes de dépistage au diabète ont été rendues possibles grâce aux partenaires qui œuvrent dans la lutte contre le diabète, dont la journée internationale est célébrée le 14 novembre de chaque année. La commémoration cette année de la lutte contre le diabète se tient sous le thème « La famille et le diabète, protégez votre famille ».